Bonjour, c'est Rachel Demeo. Aujourd'hui, nous allons découvrir plusieurs sons assez similaires, mais différents également. Hello, today we are going to discover some sounds that are somewhat similar and somewhat different. My name is Rachel Demeo and I'm going to introduce you to this lesson in French, pronunciation. Alors, tout d'abord, nous avons le son avec le T et le I ensemble, donc TI, ok? Donc, ti comme bâtir, répétez, bâtir, bâtir, utile, tigre, petit, actif. Donc, c'est une façon de prononcer les lettres T et I ensemble. So, with the letters T and I, we can pronounce that sound ti, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le I et le ti va être placé souvent devant une consonne. So you notice that that ti is often placed before a consonant. Ensuite, la deuxième prononciation, c'est lorsque le ti est suivi d'une voyelle. So the second pronunciation of the t and i together is when it's followed by a vowel. Donc, écoutez et répétez. Dictionnaire, initial, patient, boîtier, addition. Donc souvent, ce T et I suivi d'une voyelle donne le son S, comme un S. So when followed by a vowel, that T and I together often will produce that sound like an S. Ensuite, le S, T et I. Donc S and T and I together. Donc écoutez et répétez. Destin, question, gestion, Sébastien, artistique. Donc, on pose un peu sur le S et on rajoute le T et le I. So, there's a little pause at the S and then we add the T and the I. Maintenant, deux S et le I. Donc, écoutez et répétez. So, double S and I. Passion, mission, profession, expression, dessin. Donc, vraiment, c'est un S assez fort. So, the S is more pronounced, it's more strong. Et puis là, on va comparer, j'espère que vous pouvez le voir sur votre écran, mais quand il y a le sion ou sion, ok? So, here we have, and I hope you can see it on your screen, with the sion ou sion, with the S-I-O-N-N or T-I-O-N. Donc, écoutez, nation, attention, oppression, addition, compression. Donc, ce n'est pas le ch, il n'y a pas de ch, c'est justement le s, ok? Donc, avec double s ou avec le t-i-o-n-s, ok? So, it's not a ch sound, it's really a s, like with s, donc nation. So, it's either the double s-i-o-n or the t-i-o-n. Et attention en français parce que avoir deux S entre deux voyelles ou avoir un S est vraiment très différent niveau prononciation. Par exemple, si on a deux S, c'est vraiment le son S. Mais si on a un S, c'est plutôt le son Z, le Z. Okay? So it's really important to distinguish between two pronunciations with S. If you have two S's and then have the two vowels, and so the S's are between vowels, then you have a S. S sound, whereas if you have only one S between two vowels, it's going to be a Z, like a Z sound.